Tu veux te faire plaisir en cette fin de FIFA 17, je te conseille IGVote, lien et réduction dans la description. Et on a organisé un concours avec de nombreux prix à gagner. Tous les liens sont dans la description. Transforme ton forfait téléphonique en jeu vidéo avec alloparadise.fr. Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel. Et aujourd'hui, on va découvrir si Gabriel Jesus a été élu pour les futises. Je n'ai pas vu, il est 19h passé. On va appuyer sur A et normalement... Bruh. Attends. Oui, c'est bon, c'est bon. J'ai flippé, j'ai dit, putain, s'il n'y est pas... Oh, regardez-moi cette carte, magnifique. On va aller le faire direct. Ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va aller le faire, ce SBC. On va le valider. Je vais le mettre dans une équipe que j'ai créée pour l'occasion et on va le tester. Alors, j'ai mis 2 secondes. Hein. J'ai mis 2 secondes. J'avais paqué, vous savez, pour la TOTS MLS. Du coup, j'avais cumulé plein de joueurs à 84, plus 83, plus 82. Du coup, j'ai fait ça en vitesse. C'est très simple. Je pensais 85, 84, c'est très abordable, les gars. Donc forcément, je vais vous dire, mais faites-le. Au pire, vous vendez des joueurs et vous achetez les joueurs qui vous manquent pour le SBC et vous le validez direct. La carte est magnifique. Je suis en train de vérifier juste si je fais pas de conneries. Ça a l'air d'être bon. On va pouvoir soumettre et obtenir le Gabriel Jesus. Ah, c'est parfait. Ah, franchement, quoi de mieux pour la fin de fut que d'avoir une carte comme ça qui est exceptionnelle. 90 de vitesse, 92 de dribble. Il a du physique. Il est bon en passe et en tir. En MOC, je pense qu'il peut faire le taf aussi ou en AT. Par exemple, dans un 4-3-3 faux numéro 9. On va aller le placer directement dans notre équipe active, les gars. Et vous verrez, vous allez voir que j'ai fait quand même une belle équipe autour du joueur. On va le placer et comme vous pouvez le voir, j'ai placé Villa. Donc comme ça, on va faire une pierre deux coups. On va tester le Gabriel Jesus et le David Villa. Je vous avais dit qu'on le testerait, étant donné que je l'ai packé et que c'est un joueur quand même intéressant, qui a 5 étoiles du mauvais pied et 4 en geste tech. On va aller la voir, cette équipe. On va aller la voir. On va se faire des petits matchs simples, histoire de tester le joueur. Enfin, plutôt les joueurs, même si c'est plus Gabriel Jesus qui nous intéresse. Regardez-moi cette belle équipe, elle est magnifique. On retrouve El Shaarawy, Gabriel Jesus, David Villa, en joueurs vraiment intéressants. Même si les autres aussi le sont, après c'est plus des joueurs de l'ombre. Hein. Florenzi, je ne l'ai pas testé, on va voir ce qu'il vaut. Fernandinho, on a ce joueur. Alors oui, regardez-moi ce joueur, il vaut 15K, mais oui, j'étais obligé de l'acheter en fait. Iraola, j'étais obligé de l'acheter pour avoir l'hyperlien avec David Villa. Je voulais pas faire une équipe MLS et du coup là j'ai ces deux joueurs d'MLS. Après du coup pour le reste j'ai pris de la Serie A. C'est une équipe sympa, on va compléter le banc et on va se retrouver tout de suite pour tester les joueurs. Alors l'adversaire nous propose une équipe de D1 écossaise, ouais c'est ça, D1 écossaise, elle mérite d'être rare et bravo mec. Ah non, franchement merci de proposer des équipes autres que Première Ligue. Il a une grosse frappe, Florenzi. On l'attend de loin. Hein. J'ai envie de le tester aussi, lui. Hein. Ça nous fait tester 3 joueurs, du coup, hein, les gars. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, on met le but. Un beau ciseau, mais c'est n'importe quoi. Je t'avoue, j'ai même pas fait exprès. Beau travail de Gabriel Jesus, on la décale. Et derrière, là, le joueur, il a, je sais pas ce qu'il faisait, là, il voulait pas tirer. Ah, c'est là, regarde, tergiverse, je tire, et là, derrière, le ciseau est magnifique. Hein. C'est qui met le but d'ailleurs? J'ai même pas vu. C'est Villa. Ah, Villa, il a 2 pieds. Hein. En même temps, c'est quand même un gros buteur. Oh là là! Ah, la finition, elle est présente. Hein. Voilà, la frappe est parfaite. On est à 25 mètres. Et elle rentre vraiment pleine lucarne. Le OTW, il aurait peut-être pas mis. Bah, je sais pas. Franchement, je sais pas. Pour le moment, je peux pas trop me faire une idée. On est au début du match. Oh, il va pas quitter quand même déjà. Allez, notre prochain adversaire nous propose une équipe de première ligne, mais originale. Voilà, il y a des joueurs sympas. Il passe rien. On va la tenter avec Gabriel Jesus. Oh, il a pas les. Oh, la précision coup franc 39. Bon, on la laisse pour Florenzi. Hein. Oh, la fusée, dommage. Oh là là, elle est pas loin. Putain, c'était pas mal joué ça. Hein. On joue beaucoup, on passe là sur cette session de jeu. Ah ouais, ils font beaucoup de fautes. Hein. Ils font beaucoup de fautes. On a du mal. Là, le mec joue bien. Il joue vraiment bien. Et il joue pour gagner. Quoi. En même temps, normal. Ah ouais, mais c'est qui? C'est Villa. Il est monstrueux, Villa. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Ah ouais, tu comprends pourquoi il a 92. Hein. Il les rate pas, celle-là. Hein. Allez, c'est fini pour ce deuxième match. C'était un match très fermé. Un mec qui défendait vraiment bien et il n'y avait pas moyen de passer.
On a mis le but de la victoire et c'est vraiment ce qu'on retiendra parce que sinon le reste c'était bidon. Et bien pour ce troisième match, un adversaire qui nous propose aussi Gabriel Jesus en face. Une belle équipe hein, d'ailleurs, une équipe sympathique. Oh là là, ah celui-là il est beau quand même. C'est peut-être pas Gabriel Jesus qui marque, mais ça reste un but magnifique. C'est Florenzi qui nous met le ciseau sur une passe d'Ed Villa. Alors, Villa homme du match, homme de la vidéo même, parce qu'il est partout. Il est partout Villa. Vraiment bien joué, le mec a cru que j'allais tirer. Non. Pff, ce délire, c'est n'importe quoi là. Ah, la faute. On peut pas faire grand chose, les gars. J'essaye, mais les mecs défendent super bien. C'est un truc de ouf. Peut-être sur coup de pied arrêté encore. Oh, Villa, c'est un truc de ouf, hein, les coups francs. Allez, Villa, pas toi. Oh, il est bon, Villa, de ouf. Hein. Oh là là. Oh, c'est dommage, on était passé entre les deux là. Pour une fois qu'on arrive à faire la différence en technique. Allez, c'est terminé pour ce troisième match. Bon, il n'y a pas tellement de spectacle. Les mecs sont super bons, je trouve qu'il y a du niveau et du coup c'est pour ça forcément c'est plus dur de passer. Gabriel Jesus pour le moment je me fais pas trop d'avis. On a mis un but au début, il est bon, tu sens qu'il est bon, mais je peux pas là pour le moment, je peux pas me donner vraiment, vous donner plutôt un avis. On va en refaire deux autres je pense, histoire de vraiment se donner un avis et je pense qu'on y verra plus clair. Ah lui aussi il a Gabriel Jesus. Oh, dommage. Il a une bonne frappe. Belle action de Gabriel Jesus. Là, on met un but sympa. On a tout fait avec lui, on a tout fait. Oh, il a les touches. Voilà, là je suis d'accord. Là, sur la performance du joueur, je suis d'accord. Il nous met deux buts en l'espace de 36 minutes. Ah, c'est dommage, elle n'est pas cadrée celle-là. Oh là là, Florenzi, il a une frappe, c'est magnifique. Oh putain, si elle rentre! Oh, on n'est pas chanceux, les gars! Oh, le penalty! Ah, bien tiré! Oh là là! Allez, quadruplé, les gars! Rien à dire sur ce match! Là, il a été bon! Là, il a été même très très bon! Allez, c'est terminé, les gars, pour ce match! Rien à dire. Là, je suis satisfait du joueur. On a bien joué. On a essayé de faire un petit peu tous les styles de jeu. On a dribblé. On a joué collectif. Voilà, on a joué au foot. Et ça s'est super bien passé. 9,6. C'est vraiment une très bonne note. Villa était moins bon. On va s'en refaire peut-être un dernier. Encore, on s'est gavé quand même cette vidéo les gars, on s'est gavé, on s'est fait plaisir. Là la passe D de Gabriel Jesus elle est tout simplement magique. Et derrière la reprise de Walid El Shaarawy, elle aussi est magnifique. 1-0 les gars.
Est-ce que vous avez vu le petit pont du joueur quand même? Est-ce que vous l'avez vu? Il est juste magnifique ce but. Là, on a vraiment bien joué le coup. En plus, il a une finition de ouf. Donc, tu tires de là, t'enroules, tu prends ton temps, ça rentre direct. Oh, c'est dommage ça. Oh là là, mais même du gauche, il y a une frappe, c'est impressionnant quoi. Rien à dire, rien à dire, belle action. Allez, c'est terminé pour ce dernier match les gars. Bah écoutez, on a pris du plaisir. On a pris du plaisir avec Gabriel Jesus qui est meilleur que le OTW, et là tu le sens quand même. Surtout, moi je trouve où il a progressé, c'est au niveau de la finition et le pied gauche, je le trouve vraiment limite, on dirait qu'il a 5 étoiles. Il m'a lâché des mines du gauche, c'est vraiment impressionnant. Je vous conseille bien entendu de le faire, vous êtes obligé de le faire. Et vous avez vu, on a affronté plein d'adversaires qui l'avaient. Et ça, ça fait plaisir, ça reste un joueur qui est abordable quand même pour sa note. N'hésitez pas à me proposer sur Twitter vos équipes avec le joueur. Et sûrement, comme je vous disais hier, je vais partir sur FUT Champion avec une équipe autour de Gabriel Jesus. C'est ce qu'on va faire, c'est que tout le monde va me proposer des équipes sur Twitter et je prendrai celle qui me plaît le plus et je partirai sur FUT Champion avec. Donc soyez présents sur Twitter, je compte sur vous. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime aussi. Je trouve par exemple par rapport au quota de vues, on mérite plus de likes. Allez, on va essayer de se fixer un objectif de 7000 j'aime pour cette vidéo. Ça serait vraiment super les gars. N'oubliez pas aussi d'aller voir dans la description le concours organisé par IG Vote. Vous pouvez gagner un casque réalité virtuelle par Samsung. Il y a plein d'autres prix. Donc je vous conseille de participer. Et d'ici quelques jours, on va s'affronter avec un YouTuber allemand. Du coup, nous les gars, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Passez une bonne soirée et à bientôt. Ciao tout le monde.